문화와 예술의 나라로 알려진 프랑스. 최근 새로운 산업국가를 창조하겠다는 목표를 세우고 해조류 산업에도 주력하고 있습니다. 이곳은 프랑스의 한 건강식품 회사입니다. 지구상에서 가장 오래된 조류로 알려진 스피룰리나를 육상에서 양식하고 있습니다. 스피룰리나는 콩의 두 배 가까이 되는 단백질과 필수 아미노산 등을 함유하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. Alors c'est vrai qu'en Europe on ne consomme pas vraiment des algues de à leur état naturel, on ne consomme pas dans l'alimentation des algues, mais il y a de plus en plus une conscience chez les gens par rapport à leurs bienfaits, par rapport à l'envie de se soigner par l'alimentation. Et donc, vu qu'il y a des travaux qui ont prouvé les bienfaits santé des algues et de la spiruline notamment, les gens se tournent d'autant plus vers ces compléments alimentaires. 35억 년 전, 태고의 신비를 간직한 조류 스피룰리나는 소화 흡수율도 매우 높아 특별한 가공법을 필요로 하지 않습니다. 이렇게 압축 건조시켜서 바로 먹을 수 있는 건강 기능 식품으로 판매됩니다. 천연 종합 영양제로 각광을 받고 있는 스피룰리나. 이 회사의 제품은 최근 세계 시장에 출시돼 매출을 올리고 있습니다. 또한 스피룰리나에 함유된 색소에서 광합성에 의해 만들어지는 형광물질을 추출, 천연 방사선 조영제로 의료계에도 판매하고 있습니다. C'est très inférieur à ce qui peut être fait en particulier sur les macroalgues en Asie, mais c'est quelque chose qui démarre et qui démarre assez fort. La force de la France est d'avoir d'avoir des compétences sur tous les verrous scientifiques qui vont permettre de créer la filière française sur les microalgues en particulier. Ça va de chercheurs très impliqués sur la recherche d'espèces en conditions naturelles, au système de culture, au système de récolte, d'extraction, de valorisation. 프랑스 남부, 지중해 연안에 위치한 작은 해안 도시. 1988년에 설립된 이 회사는 미세조류 생산업체입니다. 이렇게 커다란 비닐백을 이용해서 미세조류를 대량 양식하고 있습니다. 30여 년 동안 꾸준한 연구를 통해 개발한 수경 재배 방식인데요. 하루에 약 7, 800리터 정도의 미세 조류가 생산됩니다. C'est des gaines en fait, c'est des gaines en plastique où on cultive les microalgues. Donc autant quand ça démarre la culture, la couleur est très très faible, est très light. Et après, plus la culture augmente dans le temps, et donc la couleur devient de plus en plus foncée, comme ici. Donc là, c'est des algues qui sont en train de pousser, et là, c'est une durée à peu près de 10 jours. Cette société a la technique de suggestion la plus développée, c'est la technique de réaction aux rayons gamma. La technique de réaction aux rayons gamma est facile à utiliser dans un environnement adapté. 미세 조류를 생산합니다. Donc il y a un suivi qui démarre dès le début des cultures. C'est-à-dire carrément quand la culture est dans une boîte de pétri, à ce moment-là déjà on vérifie qu'on a exactement tout le temps la même espèce qu'on est en train de cultiver à grande échelle. 미세 조류는 그 종류에 따라 생산 공정도 달라질 수밖에 없습니다. 그래서 다양한 시장을 개척하기 위한 연구 개발에도 지속적인 투자를 하고 있습니다. 현재 이 회사 제품은 화장품 회사나 건강식품 회사 등에 원료로 공급되고 있습니다.
Ce que je peux dire, c'est que le travail sur les microalgues a commencé déjà depuis plus de 40 ans. Donc si, par exemple, une société doit développer les microalgues, qui doit commencer maintenant, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et dont les résultats sont là. Et s'il y a un point où il faut vraiment investir pour justement améliorer cette productivité, c'est l'outil de production.파리 근교에 자리 잡은 벤처 회사. 미세 조류를 활용해 건물 내부의 폐수를 정화하고 에너지로 전환하는 기술을 개발, 4년 전에 창업했습니다. 현재 7개의 빌딩이 이 기술을 직접 적용해서 시공 중이고요. 해외에도 진출하고 있다는군요. Nous sommes nous les seuls à combiner la propriété que les microalgues ont de se nourrir des eaux usées pour dépolluer les eaux et en même temps produire de l'énergie. Nous n'avons pas des algues très sophistiquées. Nos algues sont des algues qui sont robustes parce que pour se nourrir des eaux usées, il faut être robuste. Et puis ce sont des algues que nous avons travaillées pour qu'elles soient grasses parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'elles contiennent 50% de lipides. Donc on les choisit pour leur propriété de devenir grasses. Comme ça, quand on les brûle, elles font beaucoup d'énergie. 이 회사에서는 하루에 약 430리터의 생활 폐수를 이 설비로 처리하는데요. 폐수를 이용해 키운 미세 조류에서 물을 분리해 화장실 등에서 재활용합니다. 미세조류의 주성분은 지방. 그래서 수분을 분리하고 남은 미세조류는 에너지원으로 활용됩니다. 전기 또는 열로 변환시킬 수 있다고 합니다. L'avenir a déjà commencé. Je suis persuadé, moi, que les propriétés des microalgues, qui sont de véritables usines biologiques, sont multiples et que dans un avenir proche, ça sera quelque chose qui va se répandre partout. J'ai rencontré en Australie des gens qui fabriquaient des microalgues pour nourrir le bétail. J'ai rencontré ici en Europe, aux Pays-Bas, un producteur de microalgues qui nourrissait les moules et les huîtres. C'est un excellent aliment.